Allez, on lance comme ça. Au niveau de la team, c'est vrai que j'avais drop elle. Ah, c'est une elfe du coup. C'est une elfe, mais elle est ouais, dans la tier list, pas terrible. Ça commence à. Comment dire? Ça commence à être. L'écart de, comment dire, de puissance a l'air à se diminuer un peu, on va dire. Donc on va commencer à galérer un petit peu. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il faudrait que je pense à créer un canal sur Discord par rapport au jeu. J'en crée un. Ouais, juste après ce live, je crée un canal dessus. Si d'ailleurs vous voulez rejoindre. D'ailleurs, je parle de ça. Si d'ailleurs vous voulez rejoindre, je vous le mets. Hein. Hop! Ok. Allez, let's go. C'est parti. Là, on avait un ulti de Petra. Toc. Bon, j'ai envie de pull quand même. Nous fait un peu attendre. Ok, nickel. Donc alors, comment ça se passe ici? Comment que ça se passe? Voyons voir. Mais quand on va finir les quêtes et tout, on va débloquer des trucs. Alors, voyons voir. On commence par quoi? Ça, c'est bien. Ah, c'est par rapport au type. Donc ça, faites gaffe. Ça, il faut invoquer par rapport au type. Donc là, c'est les types humains. Je sais pas c'est quoi les types le plus intéressant à invoquer. Parce que t'as quand même. De type humain, t'as quand même elle, Jade. T'as Chloé qui est intéressante à avoir. Elle, je sais plus trop si elle est intéressante aussi. Oui, elle est intéressante à voir, celle qui est toute derrière. Il y a quand même trois persos qui sont intéressants dedans. Après, je sais pas si c'est le plus rentable en termes de race. Ah, terrible. Je me trompe dans mes touches. Yep, mardi, grosse mage et nouveau portail normalement. Ok. En plus, j'ai prévu quelques invocations et tout. Pour justement pour le nouveau portail. Donc tant mieux. On va d'abord invoquer là, on va pas faire de conneries. On va faire ça là. Et puis let's go. Déjà on fait les deux singles. Putain, ce bruit. Ce bruit te rappelle que tu as mis des trucs. Ok, skip. Tac, là on fait un petit x10. Et là c'est. Oh, j'ai eu peur, je croyais que j'avais. Aïe aïe aïe, ça a pas drop. Ça a pas drop. Peut-être un fake out? Fake out, s'il te plaît? Et non, rip. C'est rip. Bon. On est encore sur le portail, on va bientôt avoir l'épique, garantie. Donc vas-y, on fait cette multi. Allez. Ah ok, là j'aime bien là. Là on parle français là. Allez. Hein? Un fake out? Pas de fake out. Ok, un seul. Bon. Qui on va drop? Un doublon limite d'un bon personnage, ça peut passer aussi. Ok, attends, c'est qui? Attendez, je ne sais pas c'est qui. Oh, c'est elle! Oh, c'est bien ça! Perso humain, Catherine! Catherine! Oh, c'est bien ça! Ça met bien ça. Du coup, c'est de race humaine, donc par rapport à ma team, ça ne va pas trop. Ouais, trop forte. Putain, ça c'est cool ça. Ça met bien. Ok, donc là. Donc elle va pas encore aller dans mes teams, Catherine. Parce que après, je peux peut-être voir comment faire. Si j'ai deux races humains, à la limite. Mais après, ça veut dire que je suis obligé d'enlever mon tank. Ah, yes, c'est vrai qu'on a un doublon de Layla. Taïla. Talia. Layla, je suis parti loin. Recevoir. Et on a un équipement violet en plus de ça. Voilà. On a encore des mails d'ailleurs. Yo Komotsuba, comment que ça va? Passez une bonne journée. Ok. Ok, on peut recevoir des tickets ici, j'aime bien. J'aime bien. Vu que j'ai eu une race humaine, en vrai ce serait bien. Il faudrait que je drop Chloé. Faudrait limite drop Chloé en fait. Et dans la summon c'était comment? Est-ce qu'il y a une pity là-dedans? Allez. On va faire la single là.
Est-ce qu'on drop? Non, pas sur une single. Ah, terrible, j'ai recliqué une deuxième fois. Et là, bah allez. De toute façon, là, il n'y a pas de... Là, j'ai fait une single, non, il n'y a rien du tout à côté. Allez, go. Allez, go. C'est parti. Allez, drop. Ah! Non, fake out, s'il te plaît. Au moins un fake out. Oh oui, le fake out. Nickel. C'est bien ça, j'aime bien. Ok, un sweater. Oh, je crois qu'elle est bien, elle. Je crois qu'elle est bien. Ah, c'est la première des SS, du tir SS. Elle est quasiment en gold tier. Alors, attends, c'est quoi son nom là? Méphistophèle. Méphistophèle. Je sais pas si je le dis bien. Et du coup, je sais pas c'est quoi comme humain. Vas-y, tu dégoûtes. Ah ouais? Je dégoûte à ce point-là? Ah, j'avoue que je sais pas trop là-dessus. Close? J'arrive pas à close ça, il me demande à chaque fois. Mais on va le faire après. Je vais le faire de mon côté après. Tac, alors, au niveau des personnages, du coup. Bah, du coup, on a une race humaine. Bah, en vrai, on a pas mal de races humaines. Elle, du coup. On a elle, Catherine et. Oh putain, le combo, il est hardcore. Il est ultra bien. On n'a pas de. Attends, est-ce qu'on a un tank? Donc on a un caster, très bien. C'est un support. Support caster, ça c'est cool. Après en humain... Ouais, on a elle aussi, mais c'est quoi? Ouais, c'est un warrior. Ouais, du coup, elle va plus faire les dégâts, elle. C'est un perso ange, donc 15% d'attaque. Et de HP pour la team. Ah, c'est un perso ange! Non, attends. Bah non, attends. C'est humain. Chance du débutant, c'est un humain. D'ailleurs, on va les monter, hein. Level 10, ça va le faire. Hein. C'est où qu'on voit le level? C'est ici. Allez, connecting. Le médio. Ouais, il est SP5. Ah bon, ouais, c'est pas un ange. C'est une humaine. C'est une humaine. Elle, on va pas monter. Bon, en tout cas, on a une bonne team fée, mais je sais pas comment les incruster. On va aller voir ça. On va aller voir ça, comment les incruster. Putain, ils arrêtent pas de me demander, hein, c'est horrible. On va faire ça après, j'ai dit. Alors, comment on peut les incruster dans l'équipe? Donc, actuellement, on a. Notre tank, c'est elle. C'est un mort-vivant. Comment on peut faire une team, par exemple? Donc, là, on peut faire une team avec. Démon de Soul. Donc, déjà, t'as un démon. T'as 15% d'attaque. Ça, mais c'est énervé. Deux démons. Trois démons. Enfin, ah ouais, t'as full démon, ouais, t'es bien. J'imagine que c'est pareil pour les anges. Là, tu mets le full du même type. Ok. Du coup, là, je pourrais perdre 5% d'attaque et 5% de PV. 4 du même type. À la limite, je peux mettre 4 du même type. Bah non, j'ai humain. Donc, je peux mettre 3 du même type. Donc, à la limite, je peux faire ça comme ça. Elle, je peux la changer. Après, je suis en train de me dire que. Parce que c'est un perso soutien, elle. Je la mettrai là. Elle, c'est un perso. Voilà quoi. Je pourrais la mettre à la place de prime. Ah ouais, mais non, mais après, ça marche pas comme ça. Ah, c'est galère, hein. Je vais mettre. Elle est là. Du coup, je vais remettre prime, mais. J'avoue que je suis obligé de faire ça comme ça pour avoir un buff. Trois du même type. Mais non, mais je suis bête. Je suis bête. C'est pas prime qu'il faut remettre. C'est.
c'est une fée que je dois mettre, donc elle. Elle, ouais. Moi je joue en tant que la soutien. Ah, tu joues en tant que la soutienne? La soutien? Ok. La soutienne, j'ai dit. C'est terrible. Mais ouais, bah à la limite, ouais, j'ai ces deux persos. Et je pourrais mettre elle, mais je sais pas, ouais. C'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué de faire des teams avec les persos que j'aime, mais de toute façon, on va débloquer des invocations et on invoquera justement pour débloquer des nouveaux personnages. Et on va se faire plaisir, tout simplement. Sur cette DS, tu as fait la tour des épreuves. Non, je l'ai pas terminée. Il faudrait que je la termine pour récupérer les diamants. Dis-toi, récemment sur le jeu, j'ai dépensé 1800 diamants sur les skins. Il y a 1800 qui sont partis, j'ai presque plus rien. C'est terrible. Mais voilà quoi. Donc à voir comment ça donne du coup. On va voir jusqu'où on peut aller avec cette team. Puis dans tous les cas, on va les monter level 10. On va pas trop les monter. Justement, on va servir des personnages qui sont level 10 pour voir à peu près ce que ça fait. Comme ça, on pourra faire un test bas level directement. On est où dans la tour? Je dois être au 18ème étage? Je sais pas, j'ai pas rejoué depuis. J'ai joué aujourd'hui, je me suis co pour récupérer les récompenses, jouer, faire la loterie et tout, mais voilà quoi. Ok, c'est vrai que Tayla, il faudrait que je la monte, mais on va pas la monter maintenant, justement pour faire les tests par rapport au personnage. Pour voir justement quel type de compo je peux faire avec tous mes persos actuels. Donc là, il faut juste que je tryhard l'histoire et je vais avoir les récompenses par rapport au chapitre. Et on va se faire plaisir. Hein. Et comme ça, on va pouvoir full invoquer. Comment t'as réussi le King? En fait, le King, il y a un peu partout, donc c'est un peu compliqué de savoir de quel étage tu parles. C'est pas un King qui est invincible? Admettons. Dis-moi si c'est un King qui est invincible. Avec les deux sbires qui sont invincibles. La 3? Ah, je sais plus. Je sais plus ce qu'ils font déjà. Que c'est quoi qui te cause problème là-dedans? C'est quoi, genre les persos, ils sont invincibles? Les persos, tu fais pas assez de dégâts? Histoire de savoir à peu près où t'es rendu. Enfin, c'est quel étage. Après, si jamais t'as des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, justement. Si t'as besoin d'aide et tout. T'as des vidéos qui te récapent tous les étages à faire et tout. Non, il te fait trop mal. Ah ouais, ça doit être un délire. Genre, tu dois jouer une certaine compo justement pour éviter de prendre trop cher. Ah, c'est bon, je me rappelle, je crois Kimetsu se bat. Faut que tu joues Harlequin. Faut que tu joues Harlequin ou soit t'as peut-être une autre Diane qu'il faut que tu joues pour justement pas prendre de dégâts en fait. Je crois que c'est un truc du genre. En fait, Harlequin va te mettre un bouclier qui permettra justement de bien tanker les dégâts. Donc il faut à chaque fois utiliser une compétence du perso. Hop, et... ok. Bah je l'ai. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, bah au pire, regarde sur internet, il y a des vidéos par rapport à ça. Même les vidéos d'un an et tout, c'est à peu près, c'est à peu près la même tour. Après, normalement, je pense que c'est la strat là, hein, test. Hein. De toute façon, Harlequin est pratiquement utile partout dans la tour. Comme ça au moins c'est bon. Alors donc au niveau de la compo pour l'instant on est tranquille. Là ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a pas mal d'histoires à farmer là. De tester. Ok ok bah tu m'en dis. Ok. Bon elle prend vraiment zéro dégâts. Par contre elle commence à prendre des dégâts. Mais elle est soignée. Ah oui mais ouais. Ouais du coup même si elle prend des dégâts, Talia c'est incroyable en fait. Talia incroyable pour justement supporter le perso qui prend les dégâts en face quoi. Donc le tank qui prend tout, l'autre perso qui prend tout aussi mais qui est heal par mon soutien. J'aime bien. C'est pas mal. Talia OP. Tout simplement. Indispensable. Next stage.
après on est au 17ème. Bah là après au niveau puissance on a encore pas mal de... On a encore de la marge. 7 persos épiques. Que dire. Ah oui attends. C'est vrai que t'avais combien de tickets? T'avais dit 60 tickets, je sais plus. Si on 60 tickets, t'avais un... Je sais même plus combien t'as dit. J'ai plus le message. Napt, il est où? Bon, je reviens dans une ou deux heures. Bon stream. Merci à toi, Kimotsuba. Et ah oui, bah dans une ou deux heures, je serai sûrement pas là. Parce que j'ai un truc de prévu, du coup. Et bah du coup je te dis à toi bonne soirée. On relive demain, je relive demain sur le jeu et tout, donc voilà. Bonne soirée à toi. Après j'ai aussi utilisé des gemmes. Ok. Ah t'as utilisé des gemmes et tout après. Mais t'as pour... oui bah oui t'as cash pour avoir les tickets. C'est vrai. Toc. Continuer. Là aussi on va entrer, c'est parti. Start hein. Putain, ce serait bien d'avoir un perso ange. J'ai reroll avec quelqu'un hier. En 7h, 8h, il a drop un perso ange sur son reroll. Avec des bons persos et tout à côté. Donc il a quand même fallu 7-8 heures pour avoir des bons persos. Oh, c'était quelque chose. Non, j'ai pas cash. Non, t'as pas cash, mais comment t'as fait pour avoir autant de... À moins que tu reroll, je sais pas. Mais tu les as farm où? Ouais t'as mis que 2 balles, putain ouais, on peut farmer pas mal de tickets hein. On peut farmer pas mal de tickets, hein. C'est cool. C'est vrai qu'il faudrait que je regarde les méthodes. Enfin les méthodes, de toute façon ça va se farmer en faisant l'histoire. Hein. C'est vrai que les diamants il faudrait pas que je les utilise bêtement. J'ai farm l'histoire, juste l'histoire qui te donne autant. Ok ok, bon bah go. Farm l'histoire, hein. Écoute hein. De toute façon là je vois qu'on a de la marge. Après on a un temps aussi. Donc j'espère que ça va pas se jouer sous le temps. Parce qu'en vrai ma team est tellement increvable que si elles font pas assez de dégâts c'est possible que je ne réussis pas quoi. Le doublon de taille j'utilise comment? Je l'ai pas encore utilisé moi le doublon. Mais vas-y hein, on va aller regarder ça tout de suite. On va aller regarder ça tout de suite. Bah je voulais te faire des tests au début. Mais après Talia elle est le plus penchée en heal. Donc en vrai autant l'améliorer. Puis voilà, dans tous les cas on verra bien quand on sera bloqué. Ok, close. Alors, attends c'est quoi tout ça? Pourquoi j'ai reçu plein de... Il y a un téléphone avec 28 trucs là. Alors tu m'as dit par rapport au personnage. Je ne sais pas comment améliorer le personnage. Donc déjà j'imagine qu'il faut aller sur le personnage. C'est vrai que j'ai même pas équipé les persos, c'est terrible. Peut-être pas sur Talia. Peut-être pas sur Talia. Toc. Je pourrais mettre les équipements sur qui? En vrai, ce qui va jouer, ça va être surtout sur le tank. Le tank, il faut vraiment que mon tank bah, tank bien quoi. Donc on va aller lui mettre des bons équipements. Et après mon DPS va devoir bien attaquer quoi. Donc mon vrai DPS dans le tas c'est qui en vrai? Mon DPS dans le tas c'est un peu elle on va dire. C'est un ranger. Après il y a Vivienne. Est-ce qu'elle fait beaucoup de dégâts? Je sais même pas si elle fait beaucoup de dégâts. Dans tous les cas on va lui équiper, en vrai elle le mérite. J'ai eu Hera, j'espère avoir. Ah t'as eu Hera? Ok. T'espères avoir Ayem ou Adrian? Ouais, enfin après ouais c'est galère. C'est galère. Tac, donc là, donc on va améliorer notre... On va dire, je pense que c'est elle qui fait à peu près... Ah oui mais après on voit l'attaque là. C'est vrai que je regarde même pas l'attaque, c'est terrible. Du coup, elle fait 600 d'attaque. 660. Ouh, elle fait pas mal de dégâts, elle, en vrai. En vrai de vrai, elle fait pas mal de dégâts. Après, j'ai vu que sur la tier list... Ah ouais, elle est même mieux.
Bah attends, go la monter. Attends, attendez. Bah non, je dois jouer des fées, c'est vrai. C'est vrai que je dois jouer des fées. Après, c'est un perso humain. DPS. Si je le mets avec un autre humain. Ouais, mais du coup, je gère une fée et... non, ouais, ça fait pas le combo. Ouais, donc je peux pas la jouer. Je peux pas la jouer. En termes de dégâts, Viviane, elle est comment? Pouah! Ok. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Genre, je vous ai mal jugé. Tac. Auto-équipé. Putain, elle a vraiment... Elle a pas mal d'attaques aussi, hein. Elle a pas mal d'attaques aussi, hein. Et bah ça tombe bien, de toute façon, je la joue. Ah, j'ai plus d'équipement. Sinon, pour le perso... pour l'amélioration du doublon du perso... C'est vrai que c'est pas intuitif. Mais j'imagine que ça doit être un délire... Ça va peut-être servir plus tard quand tu vas monter le personnage. Parce que là, tu cliques sur les skills, non, ça fait rien. Je peux lock le personnage. C'est vrai que, ouais, pensez à lock vos personnages. Je pense que ça évitera certaines conneries, on va dire. Et ouais. Je pense qu'en fait, il faut monter en level et ça va te servir plus tard, le doublon. Je pense que c'est trop tôt pour améliorer... pour justement améliorer. Et moi tranquille. Elle a des secrets d'attributs quand même. Tu parles de Ayame? Ah bah là... Ouais, c'est... Ils ont un petit peu abusé sur un personnage, en tout cas, sur le jeu. Bah, c'est le perso démon, en fait. Ils ont vraiment abusé. Quand même. Viviane aussi. Ouais, Viviane aussi. Qu'est-ce que tu me fais dire, Naps? Non, mais où? Ok. Ah ouais, c'est vrai, c'est quoi ça? Je crois qu'il y a un délire dans le genre, justement, pour justement gagner des trucs. Donc en vrai, on va parler avec Viviane. Ok, hey. Ok, donc on n'a pas de choix de réponse, donc on a juste à lui parler comme ça. Et du coup, ça monte des trucs, ça. Ça peut donner des c'est intéressant de le faire. Tu gagnes des tickets. Ah ouais? Genre tu discutes, tu gagnes un ticket à chaque fois. C'est trop bien. Mais en fait, je vais discuter avec tout le monde. Vas-y, hein. Go parler, go parler.